À côté de ces bassins immenses, de ce port en constante évolution, il est un endroit qui ne changera plus ou guère. C'est la modeste darse des Turcs, berceau du port d'Alger. Si l'îlot du Pénion, aujourd'hui siège de l'amirauté, garde encore un aspect militaire, sa période héroïque est maintenant terminée. Les gros anneaux de fer qui amarraient tartanes et caravelles ne retiennent plus aujourd'hui que de paisibles barques de pêche. C'est là que se sont groupés les pêcheurs d'Alger. Venus pour la plupart des rivages napolitains, ils ont retrouvé là le soleil et la douceur de leur pays natal. Venant de ports plus lointains, d'autres bateaux se rangent parfois à côté des leurs, et si le soleil qui joue sur leur coque n'arrive pas à faire oublier aux équipages la rude côte bretonne, pays de la pêche, ils trouvent cependant ici un môle parfaitement aménagé et une poissonnerie modèle. Les marins musulmans d'Alger sont en petit nombre. Ils ont leur saint protecteur dont le tombeau, d'où jaillit un palmier centenaire, est encastré parmi d'anciens bâtiments turcs du Pénion. L'eau de la Darse tient de ce saint voisinage des propriétés particulières. C'est pourquoi on peut voir chaque jeudi les femmes musulmanes venir s'y livrer à des ablutions rituelles et remplir des récipients qu'elles emportent précieusement chez elles. Tout près de là, voisinant avec les barques de pêche, toute une flottille attend le dimanche pour déployer ses voiles au soleil. Certains trouvent, sans quitter le port, le moyen de dégourdir leurs muscles ankylosés par une semaine de bureau, et de même qu'il fait vivre toute une population, le port d'Alger lui permet aussi des loisirs variés et adaptés à tous les goûts. Avec plus de fougue mais moins de technique, les femmes s'adonnent aussi aux joies de l'aviron. Alors que d'autres, mollement étendus sur le ciment d'une jetée, préfèrent le bain de soleil et le repos intégral aux vanités des compétitions. Mais tandis que celles-ci continuent à s'époumoner sur leur rame avant de s'écrouler sur la ligne d'arrivée, laissez-moi vous dire, pour vous rendre jaloux, que ces images ont été prises en décembre, alors que depuis longtemps déjà vous ne sortiez plus qu'en mitouflé dans vos pardessus et vos fourrures, et que la seule idée d'un bain froid aurait suffi, j'en suis sûr, à vous donner une congestion.